Entrée en campagne pour la présidentielle de 2022, Marine Le Pen s'est livrée à cœur ouvert au cours d'un entretien accordé à Va+, la chaîne YouTube de Valeurs Actuelles, en ce mois d'avril 2021. L'occasion pour la chef de file du parti RN de parler du départ douloureux de sa mère, de la mort tant redoutée de son père, mais aussi de faire quelques rares confidences très personnelles sur sa vie de famille. Et notamment sur ses enfants, leur éducation, mais aussi comment elle a réussi à les protéger de la vie publique. J'ai 3 enfants, qui sont aujourd'hui de jeunes adultes, que j'ai eu en 10 mois et demi, confie Marine Le Pen, mère d'une fille, puis de jumeaux, un garçon et une fille. Grâce à son combat, on ne les a jamais vus. Si aujourd'hui comme beaucoup de jeunes adultes, ces enfants ne regardent pas la télévision, à laquelle ils préfèrent le replay, ils n'ont pas été baignés dans une éducation anti-écran. Je n'ai pas été très dure sur le domaine des écrans, avoue la fille de Jean-Marie Le Pen qui reconnaît que la télévision l'a même parfois sauvée, elle qui était mère de 3 enfants aux âges rapprochés. J'avais 3 enfants qui avaient 10 mois et demi d'écart, donc inutile de vous dire que parfois la télévision m'a été d'une grande aide, je l'avoue humblement, déclare Marine Le Pen. Notamment en voyage en voiture, le moment où il faut préparer le dîner, où on a besoin d'être un minimum tranquille. Une éducation plutôt bohème selon ses dires, qui ressemble à celle qu'elle a elle-même reçue. La prunelle de mes yeux, si ses enfants ne sont pas connus de tous, est-ce que Marine Le Pen a fait les choses pour? Et elle reconnaît que pour eux, cela a été bien plus facile à vivre que pour elle et sa sœur à l'époque. D'abord, ils ne portent pas mon nom, donc d'abord c'est quand même plus facile, s'amuse-t-elle. Selon elle, c'est d'ailleurs même sans commune mesure. Elle s'enthousiasme ainsi du fait que le parti qu'elle dirige n'est pas perçu de la même manière que l'était avant, son ancêtre le Front National. Je les ai beaucoup préservés, indique la politique de 52 ans au sujet de ses 3 enfants. C'est ma ligne rouge, et je n'en ai pas énormément. Crochet ouvrant point crochet fermant. Je les ai totalement préservés. Pas une seule photo de Nest parue dans la presse, j'y tiens à cette protection comme à la prunelle de mes yeux. Elle se félicite de cette grande réussite dans ce combat qui n'est pas évident. Mes enfants m'aiment, sont reconnaissants, et elle sait que ses enfants l'aiment, remercie. Ils m'aiment, sont reconnaissants de les avoir tenus à l'écart, de leur permettre de vivre leur vie telle qu'ils ont choisi de la vivre et pas telle qu'ils seraient forcés de la vivre parce qu'ils sont détectés comme étant mes enfants, confie Marine Le Pen. Si la politique est plus qu'un travail pour elle et qu'elle a décidé de lui consacrer sa vie, cette amoureuse des chats précise qu'elle réussit néanmoins à s'accorder des moments avec les siens, qu'il s'agisse de ses parents, ses enfants merveilleux, ses sœurs ou encore ses neveux.